Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer à un jeu, un très très bon jeu. Il s'appelle Wipeout Fusion, sorti en 2002, je crois, sur la, ou 2001, sur la PlayStation 2. Alors pour moi, j'ai déjà testé un ou deux Wipeout, mais ce jeu a vraiment été une révélation pour moi, dans le sens où déjà c'était celui auquel j'ai pu jouer, bon, simplement. Mais surtout parce que je trouvais génial. Alors les nouveaux après sont très très bien, hein, y a aucun souci. C'est juste que lui, ça a été vraiment un où j'ai commencé vraiment à adhérer à cette licence. Donc la suite est le premier sur la deuxième génération. Donc c'est parti. Alors attendez, j'ai baissé le son par contre. Là, il va falloir vraiment baisser le son à mort. On va mettre à 27, 28 ou à 28%. J'espère que ça sera suffisant. Les musiques sont géniales de ce jeu, mais de toute façon tous les époques ont des musiques de ouf. Alors on a plusieurs modes, je vous explique quand même. On a un mode donc mode arcade, on a un mode ligue AQ, donc l'AQ c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qui permet de monter dans les niveaux, monter dans les tournois, etc. Un mode défi et un mode zone qui n'est pas débloqué. Alors le mode zone c'est simple, c'est en gros vous allez avancer, c'est vraiment un tracé, et à chaque zone passée vous allez de plus en plus vite, et le but c'est d'arriver jusqu'à la zone maximale, ce qui est quasiment impossible. Mais le problème c'est que vous êtes tellement vite que vous tapez votre vaisseau, donc de plus en plus vous avez plus de chances de vous prendre un mur, et du coup... Eh bien, une fois que votre vaisseau est détruit, vous abandonnez. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire... Bah, on va commencer avec une ligne AQ. Carrément. Comme ça, si on avance, on pourra débloquer tout. Alors, dès le départ, on a droit à 4 vaisseaux, donc des constructeurs. Hein, c'est les fameux constructeurs de vaisseaux de tous les Wipeout. Hein. Enfin, en Phasar, ça a toujours été dans les premiers. Van Huber, je crois qu'aussi, y était. D'ailleurs, celui-là ressemble beaucoup à un vaisseau de Star Wars. On a le G-Tech. On a l'Oricom, et l'Oricom n'est pas débloqué, mais on a encore d'autres équipes à débloquer. Je sais, par exemple, moi c'était le Quirex qui me semble que j'aimais bien. On va commencer par le Phasar, pourquoi? Parce que c'est le mieux en termes de... Vous voyez là, en termes de... On l'a pas débloqué, hein, lui je précise. Le mieux en termes de... Il est moyen, il a pris bon partout, enfin bon partout non, mais moyen partout, du coup il a pas trop de défauts. Par contre, évidemment, il est assez lourd. Alors vous voyez les petits points ici, il y en a des crédits en dessous, et si je vais sur rond, je peux personnaliser. Alors le problème c'est que j'ai pas de crédit, donc je peux pas à la droite ou à la gauche, mais en gros quand je débloque des crédits, je peux... attendez, je vais mettre le micro un peu plus près, ça sera peut-être plus simple pour moi à mode rap, ici, comme ça, oups, c'est bon. Donc je peux augmenter les capacités de mon vaisseau. Je vais mettre l'autre côté, ça sera mieux. Alors je joue sur le mauvais écran comme d'habitude, donc peut-être ça sera un peu moins fluide pour moi que vous, mais bon, voilà. Fait retour, donc on va faire accepter, on va prendre lui. On a un lit chrono, je peux pas aller plus haut pour le moment, je vais commencer par celle-là. Ce jeu est génial, pourquoi? Bah, pff, bon après c'est très nostalgique, et parce que déjà on était sur PS2, donc c'était magnifique. Il y avait des bonnes musiques, vraiment, hein, ce jeu est rempli de bonnes musiques. Quelque chose de sympa. Alors j'espère que le jeu tournera bien en enregistrement, pour l'instant ça a l'air pas mal. J'ai fait un mauvais départ. Donc c'est parti, on démarre, je regarde la vitesse du jeu, non, il est assez bon, 50 FPS. Alors je joue à la version européenne, donc le jeu est à 50 FPS. Et c'est parti, dès le départ, alors c'est très simple, je tourne avec le joystick ou avec les croix.
R2 et L2, ça me permet de freiner avec l'aérofrein, mais si je freine avec l'aérofrein de gauche, j'aurais tendance à tanguer un petit peu vers la gauche. Et le frein de droite, enfin le R2 du coup, de tanguer un peu vers la droite. Et ça a une énorme importance parce qu'il y a pas mal de... Quand on tourne, il y a pas mal d'inertie. Et du coup, c'est une des seuls moyens... Hop. Une des seuls moyens... Ouf, oula. Attention. Un des seuls moyens de... de bien conduire, en fait, simplement. Alors, ce qui... Aïe, je me suis tiré dessus. J'ai une jauge en bas avec un bouclier et une vitesse de pointe. Voilà, là, j'ai mon bouclier, du coup, tranquille. Je balance mon canon, je suis très content d'avoir le canon. Aïe, j'ai tapé le mur. Mais ça va, le canon. Pour l'instant, j'ai le bouclier qui me protège, là, c'est plus le cas. Donc voilà, donc j'ai plusieurs solutions, en fait. On marque des points quand on termine premier, deuxième, troisième, etc. Mais on marque des points aussi en détruisant des vaisseaux. Ouf. Et là, par exemple, je vois que mon bouclier critique, donc je vais devoir un peu... Oh non, déjà. J'ai même pas réussi à atteindre l'arrivée, quoi. Là, voilà. Donc du coup, je termine dixième. Je termine dixième, j'ai aucun crédit. Je n'ai pas réussi à gagner la course. Oui, donc je disais, donc on peut terminer... je crois qu'on marque 9 points, 6 points, quelque chose comme ça, quand on termine premier. Mais quand on détruit des vaisseaux, on gagne des points supplémentaires. Et ce qui fait que... On peut, par exemple, gagner le championnat en terminant jamais premier, mais en détruisant tout le monde. Donc c'est vraiment... Il y a deux modes de jeu dans ce jeu. C'est assez énorme. Bon, alors on va mettre son nom, vite fait. Voilà. J'espère que le jeu est pas trop fort, qu'on entend pas trop... pas trop en double. Vous voyez, regardez, on a les positions avec les points, et on a une élimination par exemple pour Zala Wolf, et du coup elle marque 7 points, donc elle marque plus de points, elle a 2 points de plus par élimination, du coup elle marque plus de points que par exemple le gars devant moi, devant elle, Zala, je pense c'est une fille, Alex Reese, qui lui par contre a fait aucune élimination, et moi je marque 0 points. Alors j'avais complètement oublié les détails du bouclier, j'aurais dû vraiment faire gaffe, c'est un jeu qui est très très compliqué à cause de ça. Mais une fois qu'on vous avez l'habitude, vous allez comprendre après que c'est assez stratégique. Faut vraiment viser la fiabilité. Plutôt que... Tant pis, hein, vous êtes derrière, mais si vous arrivez à détruire des vaisseaux, vous faites pas mal de points. Allez, on va essayer cette course. Ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué à ce jeu, hein, je précise. Ça doit faire au moins... Fou là là, ça doit faire au moins... Je crois que c'était en 2006-2007 que j'ai joué en dernier. On a plusieurs vues, je vais essayer d'en profiter, voilà, on peut passer un petit peu par là, voilà. Hop. Voilà, attention, un petit peu d'aérofrein. Alors cette vue, c'est pas vraiment la plus facile, vous aurez compris, là on n'a pas beaucoup d'immersion, mais c'est assez tendu. Je préfère quand même la vue la plus éloignée. On a un effet de soleil énorme. Et je suis passé sur un piège. Alors je parle un peu vite, je suis désolé, mais parce qu'en fait il se passe tellement de trucs à l'écran. Alors voilà, par exemple, ce que je viens de poser là, c'est un petit mur. Si on va dessus, on est ralenti, c'est un petit peu comme une bombe. Alors je me souviens, j'étais plutôt bon hein, dans ce jeu, je précise. C'est vraiment que j'ai perdu totalement la main. Voilà, hop, on va se par là. Ouh, on va essayer de prendre de la vitesse, et non, malheureusement. Et du coup, j'ai pris aucune case. Alors je vais prendre aucun risque. Là, je vais me faire plaisir en tirant sur tout le monde, voilà, hop. Ah, j'ai complètement foiré mes grenades. J'aurais pas dû l'utiliser ici. Alors il y a moyen aussi d'incurver vers le haut et vers le bas le vaisseau pour prendre un peu plus de vitesse. Alors, je vais prendre un peu de bouclier. J'ai la moitié de ma vie. Et il me reste un peu de vitesse à prendre. Donc pour l'instant c'est bon. Je vais essayer de rentrer dans les stands. Donc les stands on est beaucoup plus lent. Et on a le bouclier qui se recharge. Donc on perd du temps, mais bon, on va dire moyennement. Ah, je ressors à peine, je me prends un truc. Alors c'est vraiment un jeu qui est dur, je précise quand même. C'est un jeu qui est très très compliqué. Faut vraiment vraiment s'y mettre pour pouvoir gagner des courses et surtout pas abandonner. Enfin, en tout cas, gagner sans... gagner en plus de ne pas abandonner, quoi. Alors il a un bouquet, ça sert à rien. On va attendre un peu. Alors je peux jeter les items que j'ai avec carré, c'est-à-dire que si j'ai un item qui ne me convient pas, je peux en changer. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, j'ai pris le boost, hein, j'ai pas eu de la vitesse, mais est-ce que je vais pouvoir passer? Oui. Alors j'ai fini 6ème. Oh que c'est nul.
Mon dieu. Vous avez la fluidité quand même vraiment pas mal. Le jeu tourne vraiment vite hein, sur une PS2 originale. Bon là c'est la vidéo qui fait que ça paraît pas forcément totalement fluide ou à fond. Mais vraiment sur une télé, vous avez une vitesse, c'est assez impressionnant. C'est vraiment la vidéo qui fait ça. Je pourrais tourner à 100 FPS dans l'absolu, mais je le fais pas parce que vous savez très bien que là on est à 30. À 30 sur la vidéo. Je pourrais aller plus loin, mais non. Alors par contre c'est chiant parce que je vais écrire mon nom à chaque fois. Je sais pas si je vais le faire à chaque fois, mais bon tant pis. Hein. Voilà. Donc je n'ai pas fait d'élimination, donc je marque 4 points. Par contre au classement, du coup on est assez loin. Enfin, 11e. Bon au moins on a fini la course, c'est déjà pas mal. Logiquement, cette course, je suis pas censé m'arrêter au stand une seule fois. Mais il faut que j'arrive quand même à éviter les. Alors là, une course sur la neige. Cette course qui est pas mal. Il y a des raccourcis, hein, je précise, dans certains circuits. Par contre, il faut les connaître, il faut arriver à les prendre, et puis bah, il faut faire plusieurs fois le circuit pour les découvrir. Ouais, je pensais avoir accéléré trop tôt, et en fait, c'était pas mal, mais bon. Donc là, une course dans la neige, enfin dans la neige. On s'entend, hein, quand je dis de la neige, c'est juste avec un temps enneigé. Ouais, on peut changer, on peut sortir du circuit, hein. on peut aussi abandonner. En sortant du circuit, on peut, vous allez voir, les décors vont pas mal évoluer. Bon, non, on est sur la première coupe, donc c'est pas la plus compliquée. Enfin, je dis ça que c'est pas la plus compliquée, mais finalement, je galère. Donc. Alors, hop, un petit missile, boum. Il y a aussi, alors ça c'était dans le, ça c'est pas dans le Fusion, hein, c'est dans le, celui qui était sorti sur PS3, que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs, c'était vraiment un bon wipeout. Ah, ah, le temps que je perds quoi, j'ai quasiment pas eu toutes mes places. Alors le mieux c'est d'achever des vaisseaux quand on est derrière, c'est vraiment le plus sympa. Par contre, bah évidemment quand vous essayez d'achever des vaisseaux, vous êtes vous-même aussi parfois pris. Alors j'ai fait n'importe quoi. Je vais rester derrière hein, pour le moment, ça paraît bizarre stratégiquement, mais voilà, par exemple lui je l'ai achevé en le touchant, donc normalement je devais avoir une élimination. Ah il avait un bouclier, j'ai pas vu, j'aurais dû faire gaffe. Bon. Le bouclier ça se prend, c'est vraiment un truc très intéressant à garder. Hop attention, alors les petites mitrailleuses ça fait pas beaucoup de dégâts, sauf si vous avez vraiment à mettre toutes les balles dedans. Complètement fourré. Oh, et du coup, c'est l'autre qui s'est fait avoir. On va garder le shield. Pour le moment, c'est très intéressant. Donc, c'est un jeu qui est très long. Il y a plusieurs ligues. Pour les gagner, c'est vraiment, vraiment difficile. Normalement, j'ai une vue arrière, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est une vue arrière. Mais bon, vraiment, pour l'utiliser. Je vais encore terminer 6e, quoi. Puis je vais essayer de prendre un turbo pour aller plus vite là. Alors il y a des nouveaux items qu'on débloque au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance, on débloque des nouveaux items, donc des nouveaux trucs pour casser du vaisseau. Oh là 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 là, oh, j'ai repris cher là. On va reprendre un bouclier au cas où. Voilà. Alors évidemment, je peux déterminer sur quoi je vais aller, mais parfois. Ça va tellement vite qu'on n'a pas spécialement le temps. J'ai encore pris un bouclier, bon ça peut être de bon augure si derrière il m'attaque. Donc on peut débloquer des items, j'espère qu'on va en débloquer un ou deux, je suis pas sûr. Et ce qui fait qu'à la fin de la partie, enfin à la fin des championnats, on a vraiment des items de fou. Hein. Par exemple, un des pires items qu'on a, c'est le tremblement de terre, qui en gros circule sur tout le circuit, devant nous, et qui touche quasiment tous les vaisseaux. Bon, on va terminer 4e, donc c'est bien, c'est un petit peu amélioré. Par contre, évidemment, au championnat, je pense pas que ça vaille grand-chose. Et je crois que j'ai fait une élimination. Je ne vais pas écrire un nouveau mon nom, désolé, on va pas faire ça à chaque fois. Voilà, j'ai une élimination, donc je finalement, c'est comme si j'avais terminé 3e. Puisque je marque... position 4, je sais pas les points qu'il y avait, mais bon, en gros, j'ai réussi à rattraper mon retard sur Alex Rees avec une élimination. Du coup, championnat, on est encore loin, on est 7e. En plus, je crois que c'est terminé, non ? Menu League. Bon, bah là, j'ai rien gagné du tout. Du coup, il faut que je recommence. C'est pas grave, on va recommencer. On va essayer de faire un peu mieux. Bon, on est à 15 minutes, je pense que j'ai le temps d'essayer de retenter.
Ah, j'ai un cheveu qui est dans la bouche. Écoutez les musiques. Alors attendez, je vais me taire un petit peu, on va mettre un petit peu de son de jeu. Par contre, c'est possible que je fasse striker, mais un truc de fou. Non mais c'est pas possible. J'en prends deux d'affilée quoi. Oh ce fail monstrueux. Alors lui ouais, j'espère que je l'ai achevé parce que vraiment. Ouh. Alors je prends pas de risque cette fois-ci, je vais terminer la course. Je me souvenais plus à quel point c'était galère. On va terminer 5e. Ouais, les circuits sont quand même assez intéressants. Allez, je rebaisse le son un petit peu du jeu, désolé. Et on va essayer du coup de faire la deuxième course. On va faire la deuxième course. Alors, la musique qui change à chaque course, évidemment, même si parfois ce sont les mêmes qui reviennent. Et c'est Yann Wumter et on va écouter un petit peu le jeu, simplement. Oh, c'était un beau départ. Ah, faut vraiment partir au goût, quoi. Ouais, ouais. Moi, je fais n'importe quoi. Ah! Ok, donc là, on est pas mal. Ouais, des fois il y a des items. Oh, on est en pro, on est en tête pour la première fois. Faut vraiment faire gaffe. Oh la vache. Thank you.
Oh! J'espère que je vais pouvoir terminer devant, attention! Ouais, c'est bon. Oh là là! Bon, je rebaisse le son du jeu. Je rebaisse le son. T'as 28, je crois. Donc là, j'ai gagné. Première victoire, donc ça fait plaisir. On va rien mettre, je me fais d'élimination. Et ce qui est bizarre, bah tout on a fini, donc il n'y a pas d'élimination, du coup c'est logique. On va donc faire. Et on est deuxième, donc c'est pas mal. Alors je sais plus, je crois qu'il faut terminer avec 3 premiers pour débloquer la prochaine. On n'est pas obligé de gagner. Mais ça je sais plus. Franchement, cette fois que je m'en souvienne, je m'en rappelle plus, donc on verra bien. Ah, pas mal, bon départ. C'est vrai qu'à mon départ c'est assez important parce que du coup on gagne vraiment vraiment des places. Hop là, j'ai pris le bon boost au bon endroit. Et là quand j'appuie sur l'aérofrein, le vaisseau qui change de côté d'un seul coup de côté. Ah, ça c'est... Oh là là, attention. J'adore la mitrailleuse. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Alors si je veux, je peux aller à gauche par exemple, là, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Bon, le shield, c'est très, très intéressant quand on est dans les... Quand on fait partie de ceux qui sont devant. Oh, attention. Oh là, tu es turbo à cet endroit, c'est pas forcément le mieux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Ah, il avait un bouclier, j'ai pas regardé. Ah ouais, c'est repassé dedans. Eh non, la roquette m'a pas passé. Ah, il avait encore un bouclier, j'ai tiré trop vite. Et ouais, il faut vachement être réactif dans ce jeu, mais le problème c'est quand on est trop réactif, on fait n'importe quoi. On va prendre un bouclier. Dommage, dommage, j'ai un bouclier. Hop, encore un missile, ça c'est fait. Ah, il m'a piqué l'item. Oh, du coup, il s'est fait toucher par l'autre. Ça c'est intéressant. Encore un deuxième missile. Alors attention, on va essayer d'éviter les missiles. Alors c'est difficile parce que même si on a une vue arrière, c'est quasiment inutilisable en jeu. Par contre c'est inquiétant là. C'est inquiétant parce que là j'ai pas de... Et en plus quand je racle le sol, voilà. Quand je racle le mur... Et ben voilà, c'est fini. Purée. Ah, j'aurais dû m'arrêter au stand, je l'ai pas fait, j'ai fait une grosse erreur. Et du coup, c'est instant. Hein. Vraiment là, terminé. J'ai pas fait d'élimination, donc en plus, je vais même pas marquer de points. Je termine quatrième. Ah, cet échec, je suis dégoûté. J'arriverai même pas à la deuxième partie, bon, c'est pas grave. Ah, par contre, j'ai des crédits. Donc maintenant que j'ai des crédits, je vais vous montrer un petit peu. On va faire personnaliser. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est augmenter la puissance du bouclier. Donc voilà, si j'utilise tous mes crédits, je l'augmente un tout petit peu, je l'augmente de 2 barres. Voilà, ça coûte 74 000, après 119 000, ça augmente progressivement en fait en coût. Franchement, la puissance du bouclier, c'est vraiment un des trucs les mieux possibles. Alors je vais faire de 1 ici, de 1 là, et est-ce que je pense que je vais augmenter de... Accélération, ça coûte super cher. Puissance des freins, non, on s'en fiche. En fait, je peux faire grand chose, hein, à part la stabilité. On va faire la stabilité. Voilà, donc là, on accepte l'amélioration. Et ce qui se passe aussi, au bout d'un moment, c'est que votre vaisseau, il évolue complètement. La forme du vaisseau, on a carrément un step 2 d'amélioration. Pourquoi j'ai pas prévu dès le début, en fait? Ah, en fait, c'est son potentiel d'augmentation. Vous voyez là par exemple je suis au minimum en fait, j'ai pas de... Je suis à zéro, j'ai l'impression que j'ai des strats mais en fait c'est les stats maximales que je peux atteindre.
Ah, je voudrais bien recommencer, mais du coup, est-ce que je fais un mode défi? On va prendre un défi avec Phaser. Voilà, défi 1, participant 5, bon armement activé, tour 2. Donc on va faire un petit défi, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on se retrouve au troisième circuit. Donc, faut être classé cinquième. Alors après, quand vous serez habitué à la musique, ouais, utiliser le turbo à cet endroit, c'est pas super. Vous avez vu mon bouclier qui a fondu comme neige. Donc là c'est sur 2 tours, il faut être 5ème pour avoir le bronze. Tandis c'est pas gagné. Ah bon, alors moi j'avais prévu le coup, c'est quelqu'un me dépassait, j'avais un missile. Alors j'ai un petit peu déçu parce que j'aurais vraiment voulu vous montrer... Moi j'utilise ça mais ça sert à rien. J'aurais vraiment voulu vous montrer... Oh, à chaque fois il me touche, ça m'énerve. Et à chaque fois qu'il repasse, il se prend son missile. Ah, j'ai jeté le shield. C'est pas possible. Alors, turbo, on va pas utiliser ici, hein, évidemment. Je l'ai fait tout à l'heure, on est dans les virages les plus lents, donc ça sert à rien. Voilà, j'ai un missile qui sert à rien, peut-être... Ah moi, peut-être pas. Si se démonte devant, il y a moyen que c'est peut-être un intérêt. Ouais, c'était pas... Oh, j'ai tapé le bout. Allez, s'il y en a qui me passe... Ce ne sera pas le cas ici. Il va se prendre mon missile. Et ouais, je peux le tirer derrière. Oh, il m'a doublé, mais je suis trop nul. Bon, il avait un bouclier, donc heureusement j'ai eu l'argent. Parce que c'est 5ème pour le bronze, et je crois que c'est 4ème pour l'argent, et 2ème pour l'or ou la victoire. Donc là, je vais faire quitter. Bon, j'ai quand même remporté l'argent. Et j'ai débloqué une nouvelle arme, le séisme. Voilà, et ça va être très intéressant, parce que quand on va pouvoir utiliser le séisme, on va pouvoir... Nouveau défi obtenu, d'accord. On va pouvoir faire du coup en ligue AQ, donc on va faire arcade. Je sais pas si j'ai... Ouais, mais je crois... Ah ben voilà, en arcade, vous pouvez voir, j'ai quand même débloqué les stats. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre course qu'on n'a pas faite encore? Oh, Mandrachi. On l'a déjà fait, Mandrachi. Cubis Flat, on l'a fait. Vol Square, on l'a pas fait, je crois. Et Alexa Vexus. Allez, on va faire Alexa... Ah, il est pas débloqué. Je peux pas encore jouer dessus. Cubis Flot, on y était. Florian Height, on était dessus. 4 Moda non plus. Et ouais, évidemment, j'ai rien débloqué. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, écoutez, je tente à nouveau. Si ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Non, attendez, on recommence. J'en rajoute les extras quand même que l'on a. On a donc des secrets. Donc ça, il faut utiliser évidemment des codes. On a la galerie. Donc ça, c'est quelques... Voilà. C'est quelques artworks, en fait. Voilà, des circuits, tout simplement. C'est sympa. Donc je n'ai pas débloqué beaucoup. Je crois que j'en ai bloqué aucun. J'en ai bloqué qu'un seul. On a les crédits. Bon, ça, c'est pas grave. Et dans les options, on a les préférences. Le volume du son, le volume de la musique, la qualité, les armes, donc toutes les armes évidemment. Écran large, on devrait mettre oui d'ailleurs. Voilà, vue par défaut, énergie des ennemis. Ah, si on voit l'énergie des ennemis, ça peut être sympa ça. Allez, on va activer ça. On fait accepter. On analyse des musiques non de joueurs. Ah ben voilà, en fait je m'embête, mais j'ai juste à le faire là. On va faire effacer. Voilà. Bon, et comme ça, vous saurez qu'il faut faire ça si vous jouez à ce jeu. Centrage de l'écran. Allez, c'est parti, on revient en arrière. Et on va faire... Ligue AQ à nouveau. Phaser, je récupère lui. Ligue Chrono, puisqu'on n'a pas débloqué. Bon, allez, je tente une dernière fois. Si vraiment je foire, parce que plus il y a 30 minutes, donc c'est parfait, ça fait 2 x 15.
Je me suis loupé. C'est pas grave. Et bien évidemment, plus on a un vaisseau rapide, plus c'est compliqué au niveau des courses aussi. Et là, vous voyez les barres, hein, on a les barres d'énergie. Plus c'est compliqué, puisque plus on va vite, évidemment, plus c'est difficile. Plus c'est difficile à gérer l'arrivée des virages. Et je me suis pris, je suis le seul vaisseau d'en prendre un truc, quoi. Alors évidemment, il y a des raccourcis partout, il y a des zones où il faut aller pour récupérer le boost. Ouais, je vais attendre un petit peu, parce que les tirs tous dessus. Boum, je vais prendre le... Ah, je l'ai utilisé au mauvais endroit. Wow. Comme vous voyez, comment c'est le bordel devant. Oh là 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 là. Il y a déjà des vaisseaux qui sont en train de mourir. Et vous voyez, j'ai débloqué un séisme. Oh, il y a eu un deuxième séisme derrière. Oh là là là, mon dieu. Par contre, je suis en train de me dire, le mec, le jour où ça existe en vrai, le mec, il commente une course de Wipeout, mais c'est pas possible, il a plus de voix, ce type. Oh, il y a encore eu un séisme, et je vais carrément mourir maintenant, quoi. Si j'arrive à tenir jusqu'au bout, c'est incroyable, parce que vraiment... Oh! Et là, je peux utiliser mon turbo dans le... Voilà, ici. Tant qu'à faire, ça me fait gagner un petit peu de temps. Et mon bouclier est un petit peu rechargé. Tour final. Alors, vous voyez, on est 1 sur 11. Hein. Donc, comme on est 12 au départ, ça sous-entend... Ça sous-entend que... Que déjà eu un abandon. Il y en a eu deux maintenant, même. Et vous voyez, maintenant, j'utilise la vue arrière pour relancer les choses derrière moi, ce que je faisais pas tout à l'heure. Bon, pour l'instant, on a l'air plutôt tranquille, mais ça revient vite derrière. Hein. Voilà. On va l'utiliser maintenant. Et on gagne la course. Parfait. Donc, dès le départ, on gagne, c'est bien. Et on gagne du coup pas mal de crédits, donc on va pouvoir améliorer encore. Et mon nom était écrit par défaut. Et j'ai une élimination, hein. Du coup, j'ai 14 points. Et vous avez vu, Franco Gonzalez, 3ème, il termine, il marque autant de points que moi parce qu'il fait 3 éliminations. Et du coup, je me souviens quand on jouait avec un ami, parce qu'on avait fait le jeu avec un ami, on se battait en fait, on était devant à chaque fois, mais le problème c'est que lui s'amusait à revenir en arrière pour tuer des gens, et du coup, en terminant deuxième, il passait devant. Donc c'était vraiment vraiment intéressant comme, comme manière de procéder. Encore loupé. Alors là, cette musique pour savoir où il faut commencer. Pas évident. C'est pas mal de voir la jauge en fait. Je trouve ça intéressant finalement. Oh, le séisme. Alors boum, ah, ce que ça fait. c'est énorme, génial. Le séisme, c'est quand vous avez ça, mais pff, vous êtes le roi du monde. Par contre, du coup, quand eux ils ont ça, vous êtes une grosse merde. Allez, on se fait plaisir. Oh, là, il y a encore aucun séisme qui a été utilisé. Et les séismes, on peut l'utiliser à l'envers, ce qui fait que si vous arrivez à avoir, alors c'est très rare, hein, d'avoir un séisme en étant en tête. Ce qui, je crois, quasiment impossible. Enfin, des fois, ça arrive d'avoir un séisme en passant juste devant les autres. Oh, bah, alors là, vous radiez tout le monde. Hein. Alors moi, je vais rentrer au stand maintenant. J'ai dit stand, mais bon. Enfin, fait de stand, hein, dans l'absolu. Voilà, comme ça, j'ai l'énergie à revendre. J'ai quand même premier. Ils sont tous arrêtés, alors. Non, ça, il faut que je jette. Oh, oh là, j'avais un bouclier, c'était trop tard. Si je l'avais eu avant, c'était bon, mais là, j'ai eu trop tard. On va utiliser un boost maintenant. Voilà. Un deuxième shield. Tir tactique, donc, c'est le truc pour bloquer derrière. On va attendre un peu. Oh! Ah bah alors là, ça c'est le voilà, ça c'est le gros fail. Ouf! Ils en envoient des séismes. Oh la vache! J'ai jamais autant de séismes dans une course. Ça sert à rien. Encore un séisme. Ok, merci. Le truc, c'est comme dans ça, il tue. Mais voilà, je fais n'importe quoi. Voilà. Ah. On est plus que 7, hein, je précise. Il y a tellement eu de casse. Que ben voilà, on a encore plus que 7. Ah,
Un petit missile pour la fin. Je sais pas si ça touche, non ça touche pas apparemment. Mais j'ai gagné, donc c'est le principal. Ça sort beaucoup mieux, voilà, c'est vraiment le temps de retrouver un petit peu l'habitude. 12 points, mais Danny Johnson fait pareil que moi parce qu'il tue quelqu'un. Et Pascal Rousseur et Omar Kumala sont égalitaires en 3ème et 4ème position. Et il y a un Belmondo dans le jeu, ça m'a fait rigoler. Natacha Belmondo. Je crois que c'est une française, enfin dans le jeu elle est française. Jorgen, Alex, Yann. Ok. Bon voilà, on est en tête pour le moment, donc ça c'est bien. Là on part mieux. Hein. Là je pense qu'il y a moyen que je débloque une ligue. Allez, faut pas foirer comme on a fait tout à l'heure. Ici on sort pas. Bon après je sais que j'ai amélioré un tout petit peu mon vaisseau, donc c'est toujours ça de prix. Et je l'améliore en accélération, du coup ce qui est bien c'est quand on se fait toucher en accélération, si on repart vite, on perd pas trop de temps. Ah c'est vrai. Ah, c'est un bon départ. Bon départ. Alors quand on est derrière, c'est difficile de prendre les items. J'ai rien pris, mais vraiment pris aucun item. Pour l'instant ça se passe bien, enfin ça se passe bien. Non ça se passe pas bien, je suis à la rue mais... Ok, donc là, un petit zoom, ça fait plaisir. J'ai un petit zoom, mais... Voilà, c'est plutôt un petit boost. Alors si vous écoutez bien, ils expliquent ce qui se passe derrière en fait. Parfois ils expliquent qu'il y a un 6 qui arrive, ils expliquent qu'il y a un missile qui arrive. Enfin c'est... Il faut vraiment être alerte en fait dans le jeu, pendant tout le jeu. Bon ça, niveau bouclier on est pas mal. Ouh là 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 là. On a pris tarif. Oh il avait un séisme alors qu'il était trop, alors qu'il est deuxième. Ah, c'est... ah ben voilà, le premier il s'est fait avoir. Moi je me refais rouler dessus, merci il fallait pas. Je reprends un séisme, tout va bien. Oh là 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 là, regardez mon bouclier comme ils font à une vitesse, mais c'est pas croyable. C'est bon, j'ai un shield. Pff, oh, il y avait un signe juste devant. Ça va être une course, mais ultra compliquée. Ah, je suis bête, j'aurais dû utiliser derrière. Bon, c'est pas grave, on va utiliser maintenant. Excuse-moi, hein, je propose devant. Encore un séisme. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de finir. Allez, un petit séisme derrière, un petit truc devant moi. Alors j'ai eu un séisme, hein. Ça c'est incroyable d'avoir eu le séisme en étant premier. Pour l'instant, on jette ça, ça me sert à rien. Alors, il faut que j'arrive à rentrer au stand avant. Hein. C'est bon. Et en plus, j'ai pu utiliser le boost dedans, on est parfait. Alors là, j'ai de la chance, on est plus que 5. On est plus que 5. On dirait un Grand Prix de Monaco. Turbo on va pas utiliser maintenant. Ah le séisme ça m'a bien aidé. Eh ben on va peut-être pouvoir gagner cette coupe. Enfin, c'est la première coupe hein. Imaginez que les autres coupes après sont 10 fois plus dures. Ah j'espère pouvoir montrer, allez, un petit dernier circuit après. Un nouveau circuit. Je crois savoir d'ailleurs lequel ça sera. Allez, et c'est le missile de la victoire. Boum. On a gagné. Alors si j'ai pu faire des dégâts avec mon séisme, il y a moyen de faire pas mal de points. Vous allez voir. J'ai fait deux éliminations. Parfait. Bah du coup j'ai 16 points. Bon, enfin, j'étais déjà devant, mais bon. Et du coup je marque 16 points. Et au classement, alors là ça a été vraiment un bon sans faute. Ça fait plaisir. Et du coup on a débloqué. Voilà, une nouvelle ligue. Bon, il a l'air de bugger. On voit pas trop ce qui est marqué dessus, mais c'est pas grave. On a débloqué donc la ligue Réa. On va revenir en arrière parce qu'on a des crédits et on va bah, les utiliser tant qu'à faire. Donc on va faire personnaliser. Alors j'ai 199 000 crédits, je pense qu'on va encore augmenter le bouclier. Hein. C'est vraiment nécessaire. Et on va économiser pour le reste. Voilà. Le bouclier c'est vraiment quelque chose de très très important. Je reprends mon phaser. Voilà. Ligue Réa.
La ligue réanimation. Non, je sais pas, mais bon. C'est, ça va être drôle, je pense. Ou pas. Alors, cette course. Ah, c'est une nouvelle course. Alors, cette course, si je me souviens bien. Oh là là, mon dieu. Cette course, elle est très compliquée. De souvenir, j'avais vraiment hurlé cette course. Parce que elle est mais d'une difficulté. Et encore, c'est pas la plus dure. Hein. Bon, ça c'est cadeau, ça c'est pour moi. Ça c'est pour le plaisir. Alors si on est malin, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le séisme pour le moment, au bout d'un moment. Au bout d'un tour, par exemple, on utilise le séisme. Quand tous les boucliers sont quasiment morts, histoire de faire des dégâts. Alors il y a deux zones pour passer, voilà. Ah, j'ai pris le mur. J'ai pris le mur, je me prends un truc dessus. Aïe, je suis septième. Bon, le seul avantage en étant 7ème, c'est que ça permet peut-être d'avoir un bon item. Bon, je dis un bon item, mais finalement, je me prends un missile. Je prends une mitrailleuse. Alors, de souvenir, c'est une des courses où je prenais tout le temps quasiment l'arrêt au stand. Je vais pas le faire, je vais faire au deuxième tour. Le problème, c'est qu'il se crache, puis moi, je le touche après. Et du coup, je perds autant de temps. Et là, pareil, c'est encore moi qui perds du temps. Oh là là, c'est encore bougé. Attention, on va éviter ça. Hop, ça on va le rejeter, on s'en fiche. Ouh, ça lague un peu là, mais c'est pas grave. Alors, c'est une des courses les plus. Une des plus chargées. Oh, il y en a un qui s'est foiré, et moi aussi. Oh, est-ce que j'ai touché ou est-ce que c'est lui qui l'a tué? Je ne sais pas. On a droit à un séisme, merci, ça fait plaisir. Tout le monde aime ça. Oh là là, en plus, ça c'est immonde. Bon là par contre on va rentrer au stand au prochain truc. Hein. Moi je vous le dis, on va rentrer au stand. Je suis promis, je suis en tête, j'ai mis un 6 derrière, on va voir ce que ça donne. Oh là là, le bouclier, alors là, il faut y aller direct. Non. Bon. Oh regardez où je suis. J'avais quasiment plus de bouclier. Oh je suis allé me suicider carrément. Allez, final lap. Ah, il y a moyen de faire du dégât, hein. Vraiment. Hein. On est plus que 9. J'ai même pas pris le séisme, je sais pas pourquoi ça a pas marché sur moi là. Eh, je m'en sors pas mal là, mine de rien. Je pensais vraiment que j'allais galérer. Bon, évidemment, j'ai eu du. Oh, j'ai un séisme encore. 1 sur 9, est-ce que ça aura tué quelqu'un? Je ne sais pas. Jeter pour le moment, tant que j'ai pas de bouclier ou truc intéressant, je jette. Je pense que vers la fin il va y avoir. Oh, il reste plus que deux personnes! Regarde, on est plus que deux! On était plus que deux sur la course! Oh là là, mais quel carnage! On a fini à deux. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, ça s'est vraiment fini très mal le deuxième tour. Et là, ce qui va être intéressant, j'ai tué 6 pilotes! Mais 6 pilotes! C'est-à-dire qu'avec cette course limite, j'ai marqué l'équivalent de 2 victoires. Je crois que c'est 9 points. Je suis à 24 points, donc j'ai mis 2 ou 3 victoires. Oh, c'est impressionnant. 24 à 18. Bon, il y aura Pascal Rousseur à... et l'autre sont à 2 points. Ça me fait rigoler parce que du coup, regardez le classement. C'est totalement incroyable. 24 points, 18, 2, 0. Oh, il y a moyen peut-être de la gagner direct. Bon, allez, je continue quand même, au moins sur cette ligue, pour voir si je gagne. Parce que vraiment, ouais, ça, je pense qu'il y a des moyens de s'amuser là. Alors parfois c'est le même circuit mais à l'envers et je crois que c'est le premier circuit qu'on a. Voilà, pas mal, bon départ. Soit c'est le même circuit mais à l'envers. Je crois, j'ai l'impression, on dirait. Ouais, c'est le circuit numéro 1 mais à l'envers. Alors ça c'est un truc que je déteste parce que j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est ça, c'est le premier circuit à l'envers. Et j'ai pris ce qu'il fallait pas faire, j'ai pris les murs. Je vois rien. Je vois que dalle. Oh là là, au départ c'est vraiment compliqué de pas être dans les embouteillages. Vous voyez là par exemple quand j'étais en descente il aurait fallu que je relève le nez pour avoir un peu plus de vitesse. Aïe. Et ça c'est les circuits qu'on aura plus tard hein, sur le côté, vous en doutez. Les zones que pour le moment, qui pour le moment sont,
sont verrouillés. Je passe par là, hein, ça a l'air bien comme zone. La remontée. C'est vrai que c'est bizarre de faire ce circuit à l'envers. Alors on va s'arrêter au stand dès le deuxième tour, hein, je précise. On va pas faire le fou. Oh là là là, je me suis roulé dessus. Boum, j'ai tapé, c'est pas grave, on va quand même passer par là. C'est une grande sécurité de faire ça. En général, on sera toujours dans le deuxième tour, hein. C'est rare de s'arrêter au premier. Oh, il y a déjà eu des morts. Je prends pas d'item, hein, donc du coup... Oh là là, encore une fois. J'ai pas pris, je crois, un seul item depuis tout à l'heure. Hein. Vraiment aucun. Donne-moi ton item. J'ai esquivé le truc qu'il fallait, donc ça c'est bon. Oh là là là, il tire partout. Ouais, je peux quand même viser derrière. Et du coup, c'est la victoire. Oh, 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 il y a eu un séisme là. J'ai pas fait d'élimination, donc du coup, on bat 12 et 12. Mais je pense que le classement, ouais, ça sera assez impressionnant. Ouais, 36-19. Voilà. Il n'y a pas eu trop d'élimination cette course parce que c'est pas la plus difficile en fait. Donc, l'élimination, il n'y en a pas trop. Par contre, les circuits vers la fin, quand vous faites les dernières ligues, il y a beaucoup, beaucoup d'éliminations parce que les circuits sont très longs et très piégeux. Là c'est pareil, c'est le même à l'envers encore une fois. Ah, ouais, c'est vrai qu'en fait j'ai juste attendre le go, pas forcément la musique. Oh, j'ai foiré mon missile. Il y a encore un shield, j'en profite, voilà, je prends pas de dégâts. Bon, j'aurais dû le faire avant, après ça. Non, vous voyez, ce jeu, quand même, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, je vais le répéter, c'est vraiment la double stratégie, quoi. Soit être le meilleur, soit faire beaucoup de dégâts. Et une fois qu'on commence à gérer les circuits, il y a un plaisir assez énorme de pouvoir vraiment strater au niveau des armes, la défense, etc. J'ai fait n'importe quoi. Il y a vraiment moyen. C'est un jeu vraiment où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, quoi. Honnêtement, pour leur finisse, je suis pas un gros finisseur de jeu, mais là, ce jeu, je suis allé jusqu'au bout, hein, pour essayer de gagner tout. Même si j'en ai vraiment, vraiment, vraiment chié pour terminer ce jeu. La fin est vraiment très compliquée. On a des circuits où c'est n'importe quoi. Mais il y a des circuits d'ailleurs où en fait on se préoccupe presque limite de juste essayer de finir, pas forcément de gagner. Parce que bah il y a tellement de dégâts, tellement de murs, tellement de choses qu'on se prend dans la gueule que finalement on est un petit peu à... Pas au ralenti, mais bon, on est pas à fond. Pas vraiment à fond. Il faut dire qu'avec les vaisseaux qu'on a à la fin qui sont beaucoup plus rapides, bah même le pas à fond c'est quand même plus rapide que ce qu'on en a là. C'est un peu comme les classes avec le Rapier, le Venom, je crois que c'était des classes de vitesse. Là, il n'y en a pas vraiment. J'ai mis un tour à quelqu'un. Voilà, c'est bon, j'ai enchaîné, hein, 3 fois. 12 points, il y en a un qui a marqué 14 points. Alex Freeze avec ses 3 éliminations. J'ai l'impression qu'il élimine pas mal de gens. 48, 22, voilà, il y en a gagné. Du coup, c'est parfait. Bah, je vous ai pu montrer. Et on a débloqué des roquettes. Ça, c'est vraiment bien. Nouvelle ligue obtenue. Nouveau défi obtenu. Alors je vais revenir en arrière, on va s'arrêter là hein, de toute façon, je pense que vous aurez compris un peu le délire du jeu. Personnalisé, j'ai 358 000 crédits, alors ce qu'on va faire c'est on va augmenter... Bah, si je passe par là en fait, voilà, je suis à... On va l'augmenter un petit peu. Par contre j'ai envie d'augmenter l'accélération, ça c'est certain. Et on va augmenter la stabilité, voilà. Ok, mais ça sert à rien, en jamais amélioré, voilà, donc là il est content. Et vous avez vu le Phaser, et je crois qu'il... Vous voyez, il est un petit peu différent. Regardez, là c'est la version 1 du Phaser, et là c'est la version 2. Et quand vous débloquez d'autres vaisseaux, c'est pareil. Et à la fin, les vaisseaux sont quand même assez badass. Ils ont pas mal d'éléments en plus. Et bah voilà, c'est ce que je trouve. J'ai trouvé ça super, super bien fait, bien rendu. Donc voilà, 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 tout simplement pour terminer. Voilà le Phaser. On n'a pas débloqué encore d'équipe, normalement. J'ai Tech. Oricom, on l'a toujours pas.
Mais il y a encore, je crois, trois équipes à débloquer. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez compris, c'est un jeu que j'aime particulièrement, un jeu qui, de toute façon, vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que c'est vraiment un très très bon Wipeout. Les Wipeouts après sont vraiment très bien aussi. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les prochains Wipeouts qui vont sortir. Voilà, ça reste une super licence. Pour l'instant, j'ai pas vu de faux pas dans cette licence, en fait, c'est assez rare. Donc, voilà, si vous avez une PS2, si vous aimez ce genre de jeu, bah, jetez-vous dessus parce que vraiment ça vaut le coup. Je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Pense bleu! Non, je déconne, ça je demanderai jamais. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!